Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct. Je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir ce matin pour cette séance spéciale sangle abdominale. Alors écoutez, l'histoire va être très simple. On va se brûler les abdos à faire cuire des merguez dessus. Avec moi aujourd'hui, nous avons James. Bonjour James. À la maison, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Déroulez-vous avec nous. Posez les pointes, décollez vos talons. Mettez les mains juste à côté des oreilles ou derrière. Décollez le haut du dos. Restez. Très bien. Montez en deux temps avec nous. Une, deux. Et on revient gentiment. Tout le long du cours, gardez les nombrils à l'intérieur, d'accord? Une, deux. Inspirez, expirez. On essaie d'y aller un peu plus rapidement maintenant. C'est parti. Un, deux. Allez. Trois. Voilà. Soufflez sur le mouvement supérieur. Encore. Dernière fois. Tout le monde reste en haut. Tout le monde reste en haut. Stop. Restez. Inspirez, expirez normalement. Soutenez encore un tout petit peu. Déroulez-vous gentiment. Posez les mains à côté des fesses. Levez les pieds. Deux genoux vers vous. Un et deux. Même chose. La position de départ. Fléchis à 90. Arrivez, les genoux vers la poitrine. Pareil. Toujours le même tempo, 2 et 2. 1 et 2. Retenez votre descente. Première, deuxième. Même chose. Encore une fois. Très bien. Plus rapide, un seul temps. 1. Soufflez. Même chose, une. Parfait. Il m'en manque encore un petit peu comme ça. Expirez sur la fermeture. Soufflez maintenant. Allez. C'est parti. Parfait. Restez ici. Petit stepper. Droite, gauche. Pas trop grand. Tout petit, gentiment. Inspirez, expirez. Bougez les jambes. Très bien. Allez chercher un peu plus maintenant. Poussez votre talon. Décollez le haut du corps. Tendez les bras. Levez les mains. Pousse, pousse. On est pas mal. Continuez, continuez. On termine l'échauffement. Allez, on pousse. 8, 7, 6. Les pieds au sol et les crunchs du départ. 1, et je reviens. Expirez. Encore. Soufflez. Suivez le rythme. Soufflez. 3 petites maintenant. 3, 2, et 1. Préparez le corps. Au gros effort. 1. Dernière fois. Parfait. Bloqué en l'air. Stop. Relâchez lentement vers le sol. Croisez les doigts. Poussez au plafond. Allez chercher loin derrière. Étirez loin derrière d'abord. Écartez ensuite. Enroulez vos épaules. Enroulez vos épaules. On reste au sol pour vous dire que la suite, c'est maintenant. La main droite à l'oreille, la main gauche posée au sol. Vous allez monter, twister et revenir au sol. On peut faire ça ensemble? Allez, positionnez-vous et c'est parti. En haut, twist et je reviens. Toujours le même côté. Un, twist. On va chercher à la fois les obliques et les abdominaux du haut. Encore. Une, deux. Pour l'instant, saccadez votre mouvement. Première, deuxième. Encore. Une et deux. Pareil. Hop, hop. Encore une fois, saccadé. Très bien. Le même côté, plus rapide, fluide. Une, directement en diagonale. Poussez. Soufflez. Sur la fermeture du corps, vous expirez. Un peu plus maintenant. 8. 7. Soutenez la tête si ça devient trop lourd.
Bien. Encore deux. Dernière fois. Très bien. De l'autre côté, saccadez le mouvement. Un, deux. Et je reviens. Je monte et je vrille. En vrillant, sollicitez un peu plus les obliques. Accentuez votre mouvement. Un et deux. Gardez les deux fesses au sol. Hop. Pareil. Hop. Encore une fois. Très bien, vous savez maintenant. Saccadez, c'est fini. Fluide. Un. Soufflez. Hop. Allez, oxygénez, s'il vous plaît. Oxygénez. Ramenez un peu d'oxygène dans les muscles. Bien, continue le même mouvement. Plus. Hop. Venez encore. Allez, les deux dernières. Les genoux en l'air, les mains par terre, la tête aussi. Levez, levez, posez les pointes seulement. Levez, levez, posez les pointes seulement. On va pas chercher compliqué, vous le connaissez cet exercice. Allez, des reverse crunch. Même chose. Une, deux. Décollez votre bassin maintenant. Hop. Et une, deux. Parfait. On passe au niveau 2. On rajoute la tête. C'est parti. 1, 2. Très bien. Si le fait de rajouter le buste est trop dur pour vous, restez avec le travail numéro 1. Plus rapide. Allez, on y va. 1. Hop. Soufflez sur la fermeture. Encore. Bien. Continuez, continuez. Hop. Hop. Trois autres. Encore deux. Vous vous rappelez le crunch et le twist? Ok, crunch, twist. Une et twist. L'autre côté immédiatement. Une et twist. Pas besoin de monter super haut. Twistez. Appuyez-vous sur l'épaule opposée. Une, hop. Une, hop. Allez, en haut et je vrille. Même chose. En haut, vriller. Encore une. Est-ce qu'on peut aller directement maintenant de l'autre côté? Allez, 8 du même côté. 8, 7, 6, 1 peu plus, 2, la dernière. On change de côté, c'est parti. Hop, poussez, hop, soufflez maintenant. Voilà. Vous êtes prêts? De l'autre côté, mais on rajoute le genou, les amis. 1. Allez, soutenez votre tête et poussez un petit peu. Parfait. Deux autres. Une autre. L'autre côté, maintenant. Une. Expirez sur la fermeture. Chop. Très bien. De l'autre côté, on recommence. 8. 8. 7. 6. Fermez-vous plus. Et on change de jambe. Hop. Ouvrez plus, fermez plus. Hop. Pas mal, pas mal. Très bien. Les deux genoux en l'air. Ramenez vers vous de deux. Un, deux. Pointe de pied au sol. Une, deux. Très bien. Alors écoutez, au chiffre 2, vous allez faire une petite chandelle. Regardez. 1, poussez et revenez. Avec nous. 1, poussez et revenez. Au 2, maintenant. Oui. Moins vers vous, plus vers le plafond. Encore. Continuez, continuez. Hop. Sollicitez la partie inférieure des abdos. Allez chercher un peu plus avec l'intérieur des abdos. Et hop, hop, un peu plus maintenant. Hop, hop.
Bien. Hop, hop. Continuez. Une, deux. Même chose. Une, deux. Accentuez. Un, deux. Allez. Hop, hop. Dernière fois. Les pointes posées par terre, les genoux écartés, les mains à l'intérieur. Petit. Allez, objectif, dépasser un peu plus la ligne des genoux avec les doigts. Le regard légèrement vers le plafond. Et on y va. Inspirez, expirez. Toujours en petit. Aplatissez un peu plus le ventre. Très bien, niveau 2. 1. Huit autres. 4. 3. Bloquez en l'air. Écartez les bras, serrez les jambes, levez-les. Restez ici. Restez. Si vous voulez récupérer avec la nuque, posez tranquillement 2 secondes et revenez avec nous ensuite. Jambe droite tendue et elle revient en deux temps. Une, deux. La gauche maintenant. Un et deux. Le plus propre possible. Hop, hop. Même chose. Bien, continuez. Une, deux. Allez, étirez, étirez. Contractez les abdos. Bien, jetez un œil à l'option des bras. Et on revient, bras derrière, ça nous fait. Une, deux. Hop, hop, et je reviens sur la ligne des genoux. Poussez. Même chose. On reste en l'air, tout petit crunch. Et hop. Là, vous devez vraiment ressentir que vos abdominaux crament, d'accord? Il faut que ça brûle sur cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, vous allez essayer d'aller chercher un peu plus haut. 1. Contractez un peu plus. On y va, on y va. Hop, hop. Les toutes dernières. Très bien. Posez la tête, ramenez les genoux, deux vers vous. 1, 2. Posez au sol. Far away, far away. Encore. 1, 2. Mains aux oreilles, fermez-vous à 2. 1, 2. Voilà, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Mais on est sur le niveau 2, donc on va se fermer un peu plus. Prêt pour les rapides? Ça va brûler, les amis. 1. Posez les pointes, ramenez. Hop. Plus. Continuez, continuez, continuez. Non-stop, non-stop. Allez. Faites-moi les dernières. Restez en haut. Les coudes touchent les genoux. Fermez-vous. Ne croisez pas les doigts derrière. Mettez les mains à côté des oreilles. Hop, hop. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Relâchez 2 secondes. Croisez les doigts. Poussez loin derrière. Étirez-vous 2 secondes. Ouvrez. Placez-vous sur le côté avec les genoux. Une main à l'oreille. Montez le coude vers la fesse. 1. Hop, on sollicite les obliques. Hop. Hop, encore. 1. On va chercher un peu plus maintenant. Allez, c'est parti, vous allez ramener le genou vers vous. Ramenez. Allez. Allez. Là, vous y êtes. Continuez. Continuez. Hop, il faut que ça pince à ce niveau. Fermez. Plus de genoux vers le coude. 8 autres. 8. 7. 6. 5 maintenant. 4. 3 fois. 2. Relâchez. On passe de l'autre côté. Allez,
tout de suite. Le bras tendu, le plus proche du sol tendu, l'autre à l'oreille. Fléchissez vos jambes. Je vous rappelle le mouvement sans le genou pour commencer. C'est parti. 1. Fermez, ramenez. Allez, le coude se dirige vers la fesse. Vous savez ce qu'il faut rajouter. Fermez-vous. Hop. Voilà. Maintenant, niveau 2 et 1. Fermeture oblique. Fermeture oblique. 8 autres, 8 autres. 8. Chop. 4. 3. 2 fois avant de se mettre sur le dos. Sur le dos. Levez les jambes tout de suite. Mettez les mains à côté des malléoles. Petite, petite. On va les chercher. Hop, hop. Pour ceux qui peuvent, on va chercher vers la semelle. Plus encore. Finissez, finissez. 8, 7, 6, 5. Très bien, les coudes fléchis au sol, les genoux de dos sur le côté. Et on revient, toujours, même côté. L'autre côté. 1, 2, sans toucher le sol bien sûr. 1, 2. Allez, de l'autre côté, c'est parti. 1, 2, et vous ramenez. 1, 2, et vous ramenez avec vos obliques. Encore une fois de ce côté. Et on change l'autre, pareil. 1 et 2. Allez, briller le corps et ramener. 1, 2. Encore. Hop, hop. Même chose. Prêt pour les malléoles. Touchez. Accrochez-vous. 2 minutes de cours. Chop. On est pas mal. Petit stepper. Boum, boum. Gardez la tête en l'air, les bras tendus. Step, step. Loca. Jambes droites tendues, petit crunch. Si c'est trop difficile, posez les pieds. D'accord? N'hésitez pas. Prêt pour le changement de jambes? C'est pour maintenant. Hop. Allez, serrez les abdos. Allez chercher un peu plus maintenant. Challenge les amis, challenge. Les deux jambes tendues restent bloc en haut. Stop. Vous tenez. On résiste. Ceux qui peuvent, 1 cm plus haut. Restez. 4 secondes. Restez. Posez les pieds, mains aux oreilles. Twist immédiatement en diagonale. 1. Hop. Toujours. Hop. Oui, l'autre côté. C'est pour maintenant. De l'autre côté avec le genou. Allez, avec nous. Une. Expirez. Expirez. Fini les poignées d'amour. Allez chercher les abdos. De l'autre côté. Un. Viva la fiesta. Viva la noche. Un peu plus. 30 secondes de malléole. Vous vous rappelez? Jambes fléchies en l'air.
bras tendus. Le cours est fini. Accrochez-vous, accrochez-vous. Allez, allez chercher la zone où ça tire, où ça brûle. Plus. C'est maintenant. C'est maintenant. Repoussez un peu plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Croisez les doigts. Poussez loin derrière. Ouvrez. Attrapez les genoux. Venez vous asseoir. Et le cours d'abdominaux est terminé. On passe aux étirements. Allez, relaxez-vous tranquillement, les bras vers l'arrière. Vous avez bien travaillé, nous, ici, aussi. Relâchez, poussez les fessiers vers l'arrière, les jambes un peu en tailleur. Arrondissez-vous, allez chercher les pointes de pied. Déroulez-vous, les genoux au sol, réarrondissez-vous, redressez-vous, restez sur les genoux, croisez les doigts, laissez tomber un bras, poussez, loin sur le côté, regardez vers le sol. Ressentez tous les côtés du corps qui s'étirent. Revenez. Les deux mains en l'air. Inspirez. Bien travaillé. Il faut bien s'étirer aussi maintenant. Main au sol. Poussez. Regardez vers le sol. Revenez. Recroisez les mains. Allez chercher très haut. Poussez les paumes de main au ciel. Ouvrez. Arrondissez comme tout à l'heure. Creusez le ventre. Expirez. Expirez un peu plus. Montez un peu plus. Parfait. Poussez sur les mains. Venez accroupi, puis déroulez-vous. Enroulez vos épaules. Enroulez encore vos épaules. Allez chercher très haut. Allez chercher encore un peu plus. Un peu plus. Le bras droit, levez-le. Inspirez. Loin sur le côté, arquez le corps. Et tout de suite, de l'autre côté, grand mouvement. Arquez le corps. Revenez vers l'avant. Poussez les paumes de main vers nous. Loin devant. Expirez. Rentrez le nombril, le ventre, levez au ciel, très haut, restez en l'air, ouvrez, inspirez, poitrine haute et ouverte, loin derrière, allez, réétirez un peu plus encore, sur une grande expiration, poussez en avant, remontez au plafond, ouvrez la poitrine, les pouces vers l'arrière. Tournez les paumes de main maintenant. Vers l'arrière. Laissez descendre le haut du corps. Lâchez la tête. Posez les mains si vous pouvez. Réconfortez le bas du dos. Fléchissez les jambes. Déroulez-vous. Vrillez à droite et à gauche. Droite, gauche. Voilà, tranquillement. Ouvrez, ouvrez. Et petit à petit, ouvrez un peu plus la poitrine. On ne recommence pas un cours, ne vous inquiétez pas. On termine dynamique. Relâchez, relâchez tranquillement. Voilà, votre cours d'abdominaux est terminé.